Le président Charles Blé Goudé a triomphé par la grâce de Dieu de la justice internationale. Le message qui nous a marqué et nous marque encore, c'est ce message d'espoir, ce message de foi qui a été l'intitulé de sa production écrite à La Haye. De l'enfer, je reviendrai. Nous nous réjouissons encore de ce que tu sois revenu sur la terre de tes ancêtres. Je vais continuer en présentant ceux à qui tu as bien voulu faire confiance en les nommant au sein de la direction du COGEP. La Maraoué compte, d'après le découpage administratif, 5 départements. Nous avons Boisflay, les camarades de Boisflay, Boisflay qui est chef-lieu de région, le camarade Kwame Bignananzan, départemental de Boisflay, au poste de départemental de Boisflay, il est accompagné de la camarade Lonzo Béatrice. Comme SE au niveau de la Maraoué, nous avons au niveau de Boisflay, nous avons le SE camarade Kadio, Kedia Alexis, et le camarade Conan Priva, qui est régional UECOGEP, c'est-à-dire les enseignants du COGEP. Merci camarades de vous asseoir. Au niveau de Bonan, nous avons le camarade Zabi Sipel, coordonnateur départemental de Bonan. Il est accompagné à ce poste par le pasteur Trazier Bi Vincent, le SE Nguessan Bi Alexis. Également SE le camarade Touboui Bi Gala Ignace. Au niveau de Saint-Fra, nous avons le camarade Felbert Lokwabi, départemental de Saint-Fra. Le camarade SE, Kwasi Guillaume, Kwasi Bi Guillaume. Ceux qui sont juste derrière sont les coordinateurs qui les accompagnent. Boitafla, je vais finir par Zionna. Boitafla, voilà, au niveau de Boitafla, le coordonnateur départemental, c'est le camarade Diébi Diébi Juslin. Et nous avons le SE Toambi Wilfried. Voilà, j'ai fini par Zemna, le 5e département. Le premier responsable départemental, c'est le camarade Gourian Bi Joachim Dimao. Oui, il est secondé au département par le camarade Doubi Sévérin. Voilà, Doubi Sévérin. Comme SE, le camarade Twi Bi Ignace. Oui, Twi Trabi Twi Ignace. Voilà. SE Zenoula. Également, au niveau de Zenoula, le deuxième SE, c'est Maître Vali. Nous avons deux coordinateurs qui sont venus de Zemna. Merci, camarades. Le comité politique de la Maraoué est présidé par votre serviteur, donc Vanier Diezou, qui, au niveau de la direction, est vice-président
chargé de la formation politique et de l'animation de l'école du parti. Le premier vice-président de ce comité politique, c'est le camarade docteur Vami. Le deuxième vice-président, c'est également un fils de la Maraoué, j'allais dire de Zienoula, qui se trouve être, de par la confiance que vous avez bien voulu placer en lui, le représentant COGEP aux États-Unis, le camarade Guillaume Semibi. Le secrétaire permanent de ce comité politique, c'est le camarade Trabi Richard. Président, nous avons décidé cet après-midi de te rendre visite. Une visite de bienvenue. Nos parents ont également appris que tu es là. Ils ont décidé de nous accompagner. C'est pourquoi, à nos côtés, tu vois la présence des garants de la tradition. Et donc, les chefs qui sont présents ont été mandatés par la haute chefferie de la région de la Maraoué. Quand tu t'es fait accompagner quelque part, ça voudra dire, et surtout par des chefs traditionnels, ça voudra dire que tu as décidé que quelqu'un porte ta parole. Donc celui qui t'accompagne porte ta parole. C'est pourquoi je vais laisser la parole au chef Yaobi, qui est le porte-parole de la chefferie ce soir. Mais à notre niveau, en tant que COGEP, nous tenons à te dire, président, la Maraoué te dit, bienvenue, président. Tout à l'heure, le peuple de la Maraoué vous avait dit, Issain, bienvenue. La Maraoué, c'est 5 départements. Selon les départements, il y a des variantes. On peut dire Ida. C'est une visite de bienvenue. Pour nous, c'est une visite de compassion et de réconfort. Vous venez de l'enfer. Le peuple est venu compatir à ce que vous avez subi comme humiliation, maltraitance. Vous avez survécu à tout ça. Donc, c'est le réconfort. Pour la circonstance, je suis le porte-parole de la haute direction de la chefferie de la Maraoué. Je suis le chef central des gourous qui réside dans le département de Gagnoua. Comme je suis leur tuteur ici, ils ont bien voulu me confier cette tâche. C'est pour ça que ce soir, je porte leur parole. Le peuple gourou de la Maraoué, en raison de nos fraternités séculaires entre le peuple bété et le peuple gourou en général, nos enfants travaillent avec vous, leur avez fait confiance. Nous sommes venus les accompagner. Pour vous dire, nous on est des villageois, hein. Nos enfants sont nos yeux et nos oreilles. C'est eux qui viennent nous dire, voilà ce qui se passe dans le pays. On dit, bon, si vous trouvez que c'est bon, on vous suit, on vous accompagne. Voyez, en nos présences, l'appui incontestable que nous apportons à nos enfants qui travaillent avec vous. Je sais que demain, là, il fera jour. Je sais. Il est l'heure.
le sait et nous le savons. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Il y a des gens, ils feignent de ne pas voir, mais ils voient. Tenez bon, nos enfants sont là, à vos côtés, solidement. Il y a quelques-uns que vous avez nommés, et ils sont en train de travailler sur les terres, ils sont en train de recruter. Hein. Je suis la porte, je vois, dedans et puis dehors. À la CPI, j'ai dit de l'enfer, je reviendrai. Et de l'enfer, je suis revenu. Maintenant, quand je suis revenu, je veux participer à construire la paix sociale. Pour vous, pour nos enfants et pour nous tous. Allez à Boafri, allez à Zionoula, allez à Goïtafla, allez à Saint-Fra, allez à Bounon, allez-y, investir le terrain, j'arrive. Rejoignez-nous au projet.